de transport est un pilier essentiel pour soutenir et dynamiser l'économie locale en améliorant l'accès aux marchandises et en facilitant les échanges commerciaux, notamment l'importation et l'exportation entre pays. C'est dans cette perspective que le Conseil des chargeurs du Tchad s'engage à concrétiser ses objectifs. Cet atelier a pour but d'informer et de former les acteurs concernés sur les nouvelles initiatives lancées par le Conseil en faveur des chargeurs tchadiens. Il s'inscrit dans la continuité des conclusions de la Conférence internationale des chargeurs organisée en juillet dernier qui a rassemblé plusieurs pays partenaires. Le directeur général Hamid Djoumino Djouma a souligné l'importance du dialogue que le Conseil entretient avec les compagnies maritimes africaines pour éliminer les obstacles au transport des marchandises. Il a également rappelé que cette initiative est en parfaite adéquation avec le programme politique du président Mohamed Idriss Déby Itno, tout en incitant les chargeurs à signaler rapidement tout dysfonctionnement rencontré sur les routes. Les participants à cet atelier aborderont diverses thématiques liées aux défis du commerce international au Tchad dans l'optique de dynamiser l'activité des chargeurs. Ils se pencheront également sur le suivi des opérations d'importation et d'exportation au niveau des ports de transit du pays. L'objectif final est de réformer et valoriser le commerce extérieur du Tchad en supprimant les obstacles sur les corridors et en facilitant la libre circulation des marchandises.